Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur Dead Rising 2, on va faire une petite vidéo détente. Allez, j'ai deux sauvegardes, une sauvegarde où je fais les missions, une sauvegarde où j'ai laissé un petit peu tout couler. Et on va dire que je m'amuse, je fais du kill. Du coup, on va aller sur celle-là et puis on va s'amuser. Hein. Ça va éviter qu'on fasse les missions, etc. Donc, ouais, petite présentation assez. Enfin, petit début de vidéo assez rapide. On va se calmer un petit peu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur Dead Rising. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça fait. Je sais pas si j'ai proposé des vidéos sur Dead Rising sur cette chaîne-ci. Mais c'est vrai que j'avais envie un peu de repos. Franchement, un petit Dead Rising, ça fait du bien. Hein. Ça change de Call of Duty, sérieusement. Et puis bon bah voilà hein. Attendez hop waouh c'est pas très beau ça. Et puis bon voilà hein, ça peut être marrant, ça peut être très marrant même. Du coup où c'est que j'ai mis ma. Non j'ai plus ma tenue de SWAT du coup. Oh fuck. Bon c'est pas grave. Donc oui j'ai les cheveux roses hein. Donc, dans cette petite vidéo on va parler de pas Yo. mal de choses hein. Et on va parler aussi bah tiens pendant que j'y pense. Si vous aimez Dead Rising, hein, si vous voulez suivre un let's play, si vous ne connaissez pas bien le jeu, même si ça fait maintenant super longtemps et qu'il a été vu et revu en let's play, si vous aimez ce jeu et que vous souhaitez, enfin si vous ne connaissez pas ce jeu plutôt, parce que si vous l'aimez c'est que vous l'avez sûrement déjà fait, si vous ne connaissez pas ce jeu et que vous hésitez à l'acheter, si vous voulez, j'ai un ami youtubeur, un fort sympathique qui fait un très bon boulot, qui est en train de faire un let's play dessus, donc je mettrai. Bah, le lien de sa chaîne sur ma vidéo est dans la description. Donc c'est Electron. Donc c'est un youtubeur fort sympathique donc que je connais, enfin que je connaissais, que je fréquentais en IRL. Donc Stuart a fui, oui bien sûr. Tout le monde a fui parce que bon j'ai pas fait les missions et du coup ils sont tous barrés. Parce que bon il y a une mission où il y en a un qui se rebelle contre vous et qui demande à tous ses amis à tous les gens qui étaient dans le refuge. Ah regardez, il va essayer de me taper en plus cet enfoiré. Crève. Donc c'est lui là, cet enfoiré là, voilà, t'es mort, pédale. Donc qui va rebeller tout le monde contre vous. Donc l'histoire, je vais la raconter vite fait. Vous êtes un pilote de motocross donc la ville a été envahie de zombies. Vous arrivez avec votre fille et donc vous êtes à la recherche de Zombrex pour la sauver. Et en même temps, en commençant, donc c'est au tout début du jeu, là j'ai pas mal avancé quand même, vous participez à une épreuve, un jeu télé-réalité qui marche grâce aux zombies, qui s'appelle Terror is Reality. Et donc il y a eu un sabotage qui a libéré tous les zombies, du coup ça a tué tous les humains qui restaient, enfin beaucoup d'humains qui restaient plutôt dans la ville, donc la ville qui s'appelle Fortune City. Et donc tout le monde vous accuse parce que vous avez été mis, enfin la vidéo a été trafiquée et donc pour montrer, enfin pour faire genre c'est vous qui avez libéré tous les zombies etc. Donc les zombies qui sont super bien faits, le jeu qui est énorme tout simplement énorme. Et donc voilà tout le monde, enfin ça rebelle des gens contre vous même si tout le monde ne le sait pas. Et au fur et à mesure du jeu vous devez sauver des survivants, faire des missions donc, pour découvrir la vérité, donc qui c'est qui a trafiqué la vidéo, pourquoi, dans quel but, etc. Donc moi là je suis quand même pas mal avancé déjà. Donc plein de trucs comme ça, et puis bah en même temps vous sortez et vous créez des armes, puisque vous avez la possibilité de comment on va dire ça, de tuner. Non, ça c'est niveau automobile, non, on va dire de fabriquer des armes donc à partir d'autres armes. Donc, comme j'ai fait par exemple pour la balle cloutée. J'ai pris une batte, j'ai pris des coups, ça fait une balle cloutée et il y a plein de trucs plus fous les uns que les autres. Donc oui, j'ai pas encore donné des Zombrex à Cathy. Je le ferai pas durant la vidéo. Enfin non, je vais pas le faire, je vais la laisser se transformer. Donc oui, parce que votre fille s'est fait mordre par un zombie. Ce qui fait qu'il faut lui donner du Zombrex. Donc le Zombrex c'est l'antidote anti-zombie qu'a créé l'armée. Enfin, les gens de l'armée si vous préférez. Et donc vous devez en choper, c'est très cher, très rare. Et il vous en faut si vous voulez sauver votre fille donc pour pas qu'elle se transforme en zombie. Et donc ça se change tous les 24 heures, ce qui équivaut à peu près 7 heures dans le jeu. Ah, sur les affiches, ils disent 24 heures. Donc voilà un petit peu pour la présentation. J'ai dû oublier sûrement plein de trucs, mais je vous le dis, je vous enverrai sur la chaîne de mon ami youtubeur qui lui expliquera plus en détail puisqu'il fait le let's play sur le jeu. Donc alors on va développer quelques petits sujets avec vous. Hein. Enfin, oui.
Au pire, on interdira, si je parle bien français, dans les commentaires. Bon, d'abord, pourquoi pas du Call of là en ce moment. Très simple raison, je n'arrive plus à jouer, mais alors plus du tout. Franchement, j'ai plus de shoot, je vais trop saigner là, ça y est. En fait, j'ai une phase comme ça, donc c'est une sorte de passe. Donc, Nasix Marsu qui m'invite. Je lui ai fait acheter Dead Rising, du coup il veut faire la... Ouais, il y a un mode coop aussi, hein. Il veut faire l'émission coop avec moi. Donc c'est sûrement pour ça qu'il m'appelle, enfin qu'il demande en groupe d'amis. Donc bon, oui, alors je vous disais, j'arrive plus du tout à jouer. J'ai des phases comme ça sur Call of Duty où quand je saigne trop le jeu, et bah c'est mort après. J'ai plus aucun level et puis bah là c'est ce qui m'arrive pour le moment, j'ai plus aucun level. Donc je vais attendre de reprendre un petit peu de level et je vous proposerai des gameplays. Donc là... Je fais passer une annonce, une sorte d'annonce, hein. Je cherche un gros gameplay, donc avec un massacre, un très haut score, avec des morts très faibles, donc pas plus de 5 morts. On va partir sur pas plus de 5 morts et un gros carnage, donc pour faire un commentary que je soumettrai à code QG. Mais le problème c'est qu'étant donné que j'arrive plus à jouer en ce moment, je fais plus de gros scores. J'ai demandé un petit peu à la NAS, mais dans les gens de la NAS, mais ils ont pas l'air très motivés. Même si on a pas 2-3 qui vont proposer un bon gameplay, mais j'ai envie de voir un petit peu si j'ai du lourd chez mes abonnés. Et donc voilà, je cherche quelqu'un qui serait capable de me faire un gros gameplay. Donc pas beaucoup de morts, et puis bah surtout attendez, on va faire un petit truc. Et surtout un gros carnage, donc avec pas mal de morts, enfin pas mal de kills. Donc voilà, c'est ce que je cherche. Donc ouais, comme je vous disais, moi j'ai plus aucun level. Là j'ai fait un scrim par exemple tantôt, là il y a on va dire une petite heure de ça, et franchement j'y arrive plus du tout. Alors hop là, regardez, vous prenez une batterie, vous prenez une chaise, et ça va faire une sorte de chaise électrique qui va griller les zombies, en fait, si vous préférez. Franchement c'est vraiment pas mal pour, bah en fait le but c'est de buter le plus de zombies, hein. Enfin quand vous voulez, bah, vous amuser, après vous faites l'émission ou pas. Voilà, j'ai décidé de faire une partie où je fais l'émission, une partie où je m'amuse. Et là, hop, on va s'amuser un petit peu. Donc vous voyez, la chaise électrique. Je peux pas ouvrir comme ça. Ouvrir, voilà. Et donc vous avez des cartes, vous gagnez des cartes au fur et à mesure. Donc qui explique comment créer des armes de plus en plus folles, on va dire. Et donc là, c'est la chaise électrique, mais il y en a plein d'autres, hein. J'ai par exemple comme exemple des pagaies avec des tronçonneuses. Ça vous fait une pagaie avec le bout des tronçonneuses. C'est franchement pas mal. Ça bute tous les zombies qui sont sur votre passage. Donc ce que je trouve un peu dommage dans ce jeu là, c'est qu'à chaque fois que vous changez d'endroit, bien sûr, il y a un temps de chargement qui est un peu long. C'est vrai qu'il est pas mal long, ce temps de chargement. Bon, c'est pas encore trop grave, mais c'est un peu chiant quand vous changez un petit peu d'endroit. Tout en sachant que pour aller, il y a plusieurs centres, on va dire des centres-villes, enfin non, des centres commerciaux. Donc il y a Plaza là où on était tout à l'heure, je me rappelle plus exactement du nom, Royal Flush Plaza. Il y en a un autre, et je viens me demander s'il y en a pas trois. Je crois pas, je crois qu'il y en a que deux. Et donc bah pour aller de ce centre commercial en centre commercial, et bah faut passer par des casinos, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de temps de chargement, et c'est un peu chiant. Donc là on est arrivé à Platinum Street. Donc ça c'est le dehors, en fait, on va dire. C'est tout ce qui est commerce, etc. En dehors de tout ce qui est casino et des centres commerciaux. Donc là, hop, on est parti. Je vais prendre une moto que... Donc oui, vous avez des véhicules aussi, hein. Donc là, je vais prendre une moto. Il y a un Hummer, une autre moto. Là, c'est une moto de cross. Il y a une moto, une Harley Davidson, une sorte d'Harley Davidson. Il y a une sorte de Mini Austin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Arrête de m'appeler, toi, tu me fais chier. Hello. Ouais, c'est bon. Y a quoi d'autre? Doit y avoir autre chose. Je me rappelle plus. Donc bon, c'est un jeu plein de petits trucs marrants, hein, bien sûr. C'est du fun, entièrement du fun. Ce que vous avez aussi, c'est des sortes de magazines, donc des magazines qui vous font apprendre des techniques, ou qui vous servent, par exemple, bah là pour la moto, à ce que la moto dure plus longtemps, parce qu'elle a un temps de... À force de tuer des zombies, elle s'abîme, et du coup, bah, à la fin, elle pète. Vous avez des niveaux aussi. Donc voilà, quand vous passez des niveaux, vous gagnez des cartes. Là, bon, bah ça, c'est la carte du fauteuil roulant et de la batterie, donc que j'ai déjà fait. Je l'avais déjà fait, oui, parce que quand vous faites une des... Eh, attendez, il y a un trou, là. Un des trucs, et bah, justement, derrière, et bah... Bah vous gagnez la carte.
Donc ouais, ça c'est une mission, il y a un des méchants donc que vous verrez si vous faites le truc. Ah du coup j'arrive à... Oh putain, fais chier, merde. Je vais retourner en arrière. Donc ça fait partie des missions donc pour découvrir la vérité. Sur le trafic de vidéos, etc. Donc bon, sinon d'autres sujets à développer, bah là je viens de finir ma journée, on va dire, parce que j'ai une journée un peu compliquée. On dit que le dimanche c'est le jour du Seigneur, du coup faut pas travailler. Donc pour tous les croyants, après ceux qui ne croient pas, bien sûr, bah je n'en dirai rien. Et donc ouais, bah moi j'ai travaillé, puisqu'il faut travailler. Je fais partie des cons qui travaillent dans un métier qui travaille le dimanche. Donc j'ai travaillé, je suis un petit peu fatigué, j'ai envie de dire. Donc le commentaire il sera peut-être pas forcément exceptionnel, donc on retourne en arrière. Voilà, c'est ça qui est chiant, les temps de chargement entre les passages, etc. Donc ça c'est Silver Strip, vous avez Platinum Strip. Donc Silver Strip c'est là où il y a plein de casinos, enfin ça équivaut à quoi? Un tout petit Las Vegas, on va dire. Où vous avez tous les trucs de jeu, les trucs de sexe, où on va trouver des godemichés, etc. Oui, c'est du fun, hein, je vous le dis, c'est vraiment du fun, Dead Rising. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui sont en train de se faire sur une sortie d'un Dead Rising 3. Bon, on va en parler, tiens. J'étais me renseigner un petit peu. Donc, il y a 2-3 forums de jeux vidéo qui disent que ça se pourrait qu'ils sortent un Dead Rising 3, mais ça, c'est pas encore sûr. Ils sont peut-être en train de travailler dessus. On n'a pas encore de grosses révélations par les créateurs du jeu. Donc, voilà quoi. On ne sait pas vraiment. Franchement, moi, je dis un Dead Rising 3, ça serait un pur bonheur, hein, parce que le 2 était vraiment énorme. J'ai le 1, je pourrais vous faire peut-être une vidéo sur le 1. Le 1 qui est beaucoup moins bien, par contre. C'est vrai que c'est parce qu'il date quand même. Il est un peu plus chiant, on va dire. Bon, sinon, après, niveau graphisme, ça reste, on va dire, assez pareil. Enfin, peut-être pas non plus, c'est moins bien fait, c'est sûr. Bon, c'est pas non plus un grand changement, hein. C'est pas, le changement, c'est maintenant. Non, c'est vrai qu'il est un petit peu plus chiant. Bon, les graphismes sont peut-être un petit peu plus mauvais, ça c'est sûr. Mais sinon, ouais, c'est vrai que pour l'époque il était pas mal, hein. Moi j'avais des bons souvenirs, je l'avais fait il y a longtemps. Parce que bon, ça fait quand même longtemps qu'ils sont sortis ces jeux-là. Et donc je l'avais fait il y a longtemps. Et c'est vrai que bah, j'avais laissé un bon ressenti quand j'y ai rejoué là, après avoir joué à Dead Rising 2. C'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal, mais bon. C'est pas non plus la mort. Putain, il y a plein de zombies ici. Il y a pas un petit truc à faire? Donc voilà, tronçonneuse. Ah putain, il me faudrait une pagaie. Oh, cassez-vous. Oh putain, merde, j'ai envie de faire n'importe quoi. Cassez-vous. Allez, crève. Allez, crève. Ah oui, ah, je sais ce que je vais faire. Donc alors, attendez, je retire la tronçonneuse. Hop. Je peux pas la reposer là. Non, je peux pas la reposer là. Hop, regardez ça. Tac. Ceci. Non, non, je parle aussi là, avec ça, une boîte de clous. On va faire une bombe artisanale, donc qu'on va pouvoir planter sur les zombies. Ensuite, on tire une balle de pistolet dedans, et là, on rigole. Donc voilà, allez, fais là ta petite bombe artisanale. En plus, il est content, ce connard. Oh, je vais buter des zombies, c'est trop bien! Allez, c'est parti, regardez. Hop, on va à un endroit où il y a. Voilà, bon, là, comme ça va faire un peu de dégagement. Allez, viens à toi, bitch. Hop là, regardez, j'ai planté ça là. Oh, elle est tombée! Normalement, elle tombe pas. Et boum! Voilà. Pas un petit peu de place, on va dire. Oh là, il a la tête qui est partie. Allez, c'est bon. Bon, on va tuer les deux flics qui sont là. Hop, les flics qui sont pas mal à tuer parce que, bon, la plupart du temps, ils ont des pistolets. Hop là, d'ailleurs, il y a un pistolet là. Des fusils à pompe, c'est plus rare. Vous avez des fusils à pompe, mais c'est plus rare. Ça, c'est accès au sous-sol. Oh non, j'ai pas envie d'aller au sous-sol. Donc fusil à pompe, pistolet ou matraque. Matraque, c'est souvent matraque. Perso, je préfère les pistolets ou les fusils à pompe, c'est sûr, mais. Donc là, je peux avoir accès au toit de l'Atlantica Casino. J'ai jamais été sur le toit de l'Atlantica Casino, on va aller voir ça. Souvent sur les toits, il y a quoi? Des snipers? Des hélicoptères? Ouais, il y a des hélicoptères. Plein de trucs comme ça sur les toits. Et des fois y a rien. Des fois on se ramène sur le toit, y a rien. Tu te fais chier à monter, à prendre le temps de chargement dans la gueule. Et en fait, y a rien. Donc là, on va sur le toit. Donc bon, aussi des moyens si vous galérez un peu sur du dressing pour avoir du zombrex gratuit. Donc alors attendez, j'ai noté des coordonnées parce que moi aussi j'ai été chercher
Moi aussi, j'étais chercher du Zombrex. Donc alors attendez, hop, si je vais dans mes notes, voilà notes. Donc, pour ceux qui galèrent un petit peu à trouver, hop, du Zombrex gratuitement. Ah putain, ouais, je suis sur le toit. Ah merde. Attendez, je vous le dirai quand je serai sorti. Je vais vous montrer des endroits où vous pouvez trouver du Zombrex gratuitement. Donc c'est très très simple, hein. Bon d'ailleurs, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose sur ce toit-là. Ouais, non, il n'y a rien. Oh putain, arnaque. Arnaque! Mais non, il y en a qui ont picolé, qui ont joué aux cartes ici, dis donc. Hop là, donc oui, ça restaure des points de santé. Il y a plein de petites choses que vous pouvez manger et boire qui vous restaurent des points de santé. Bien sûr, il faut pas boire abusivement parce que après, Chuck dégueule partout. C'est vraiment galère parce qu'il dégueule pendant. Allez, on va dire. En 10 minutes, il dégueule partout et à chaque fois il s'arrête, du coup il a le temps de se faire bouffer par des zombies. C'est vraiment très chiant. Donc, alors, allez, matin d'ailleurs, Nassim qui va commencer à marceler. Hop là, je jouerai avec toi plus tard. Donc, alors, retrouve sur Silver Strip, voilà, encore un temps d'attente, c'est vraiment chiant. Ça se passe, hein. Sinon le jeu en lui-même est super bien. Bah, il y a plein de trucs à faire. Si on est créatif, on trouve très facilement des centres d'occupation. Donc, il y a plein de magazines à trouver. Comme je vous le disais, donc des magazines qui vous donnent de la chance. Il y a trois magazines de chance. Je pourrais vous donner les coordonnées aussi. Donc, ça, quand vous avez les trois, vous allez jouer dans les casinos et vous gagnez à presque tous les coups. Et c'est super bien. Donc, pour vous faire de l'argent, parce que vous aurez besoin d'argent. Parce que bon, c'est limité. Hein, il doit y avoir 4 ou 5 Zombrex gratuits. Même pas moins que ça, je crois. Et le truc, c'est qu'une fois que vous en avez plus, vous êtes obligé d'aller les acheter dans des monts piétés. Les monts piétés, c'est des sortes de magasins tenus par des pillards, des vieux rapaces de merde. Et donc, bah, ils vous vendent plein d'objets. Donc, y avait pas un zombie là? Je deviens fou, moi. Donc, plein d'objets divers. Donc, d'ailleurs, par exemple, voilà, vous voyez toutes les missions que j'ai sur le côté là. Ça, c'est des missions où je dois sauver des survivants. Que je ne fais pas d'ailleurs. Oh! Oh my god! Oh my god! Oh les gars, on va s'éclater. Regardez ça. Hop là, pagaie. Hop, je pose la pagaie. Donc, du coup, oh oui, donc les magazines, donc chance. Oui, alors l'argent, quand vous gagnez de l'argent, donc vous irez dans les monts piétés acheter du Zombrex une fois que vous en aurez plus en dehors gratuitement. Et le truc, c'est que plus vous en achetez, plus il est cher parce que le Zombrex c'est très rare. Donc ça commence à 25 000. Ensuite, on passe à 50, 75, 100. Voilà, ça avance comme ça. Hein, vous comptez les différences. Et je peux vous dire que putain, à un moment, ça vous arrive vraiment très cher. Et donc, l'argent, franchement, ça va bien vous servir. Alors, regardez ça. Regardez ça. C'est pas trop énorme ça. Hop là, en fait, même pas, je crois. Hop là, voilà, vous avancez. Donc, vous avancez à côté de vous. Franchement, quand je vous le dis, ça c'est excellent. Là, franchement, je crois que c'est l'arme que je vous. L'autre arme qui est pas mal, c'est une sorte de lame de Wolverine. C'est le Gunbox que vous mettez avec des coups. Avec un peu de chasse. Et un peu Et donc là, ça vous fait des gants avec des lames. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous faites la mort des cracks. Ouais, des cracks. Vous faites la mort des. Là, on peut voir en bas à droite que j'ai tué 2380. Donc, il y a des limites, ça doit être. Je crois que ça doit être 10 000, 52 000 et tout. Plus vous tuez de zombies, et là vous gagnez des succès. Donc moi personnellement, c'est ce que je vais faire sur cette partie, je vais essayer de tuer le plus de zombies possible pour aller à 52 000 zombies tués. Et franchement, je peux vous dire que 52 000 zombies tués, ça fait un max. Vous en avez tué un paquet de zombies. Donc à savoir que le temps de jeu est limité. L'armée arrive dans 72 heures au départ. Il doit me rester une quarantaine d'heures, je crois. Regardez, un masseur. Donc les filles, vous savez ce que c'est. Les garçons, selon lesquels, vous savez ce que c'est aussi. C'est un masseur. Je vais pas vous dire où ça se met parce que
S'il y a des personnes moins de 18 ans qui regardent ma chaîne, ça pourrait les choquer. Bon, au pire, vous allez sur internet, vous mettez sextoy, ma soeur. Bon, un peu tout le monde doit savoir où ça se met ce truc là quand même. Si vous ne savez pas, c'est que vous êtes vraiment trop jeune. Ça, c'est quoi ça? J'ai jamais été dans ça. Sweep away. Allez, on va aller visiter. Examiner. Oh putain, s'il y a marqué examiner, c'est que je vais me taper une mission là-dedans. Et voilà, j'avais raison. Alors vas-y, on va regarder un petit peu la cinématique. Je vous laisse regarder quand même. Randall, my son. I think you should reconsider. Oh, le crawler. Randy. Father. Call me Randy. Get on with it. Do you Wow. La tronçonneuse de barge. Don't worry, honey. The other ones didn't mean anything to me. Just remember to say I do. You wanted me to wait until I was married. Well, I'm not waiting anymore. Ah la vache. Oh, I knew I wouldn't die virgin. Oh, I can't wait. I can't wait. I can't wait. Cut to the end, Dad. Cut to the end. Oh, qu'est-ce que c'est que ce voilà. Cut to the end. If anyone knows of any reason why these two should not be joined in union, speak now. Or forever hold your. Oh, my God! Help us! Help us! Ah. You're trying to mort, ruin the happiest moi, la day of our lives. Alors, je peux pas le faire. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Je le ferai quand je devrais faire l'émission. Parce que alors, je crois qu'il va me faire bien chier lui avec sa tronçonneuse. Qui va me découper. Bouge là, bouge là, bouge là, bouge là, bouge là, gros là. Va voir en Maïdo si j'y suis. Merci. Ah, ah, ah. Oh, je me casse. Bon, voilà. On ira plus tard. Parce que alors là, franchement, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Ah, parce qu'en plus, il sort. Oh, fuck. Ah. Je l'ai gros là. Casse-toi. Oh non, ça va me saouler, ça. Je le sens que ça va me saouler. C'est quoi ça? Et trop tard. Je peux me payer une tepu. Eh, la manette, elle tremble dans tous les sens. Ah non, c'est un... Ah d'accord, non. Non, en fait, je ne fais pas des trucs sexuels avec elle. Je dois regarder ou trucs dans le genre. Du moins, je pense. Mais c'est pas mal. J'ai bien aimé, elle était jolie, la fille. Lol. Voilà, on va continuer. Oh, je vous en... Attendez, ça fait combien de minutes de vidéo, là? On est quand même à 23 minutes de vidéo. Ah, oh, il va falloir que je me calme, Sacha. Il va falloir que tu te calmes. Donc ouais, bah je vous referai sûrement d'autres épisodes. Donc dans lesquels je vous montrerai plein de petites choses qu'on peut faire dans Dead Rising. Donc bien sûr, comme je vous le disais, je vais vous mettre le lien de la chaîne de mon ami youtubeur, donc qui fait le let's play. Et puis bah on va se tester là, hein. Hop, moi je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais continuer un petit peu. Non, tenez, voilà, ça c'est un magazine. Donc cadre d'entreprise. Talent, les survivants du groupe de Chuck sont plus efficaces, voilà. Donc ça fait plein de trucs comme ça, donc vous avez chiffre chance, horreur. Horreur c'est vous gagnez plus de points quand vous tapez dans un zombie par exemple. Je crois que ça doit être ça. Plein de trucs comme ça, plein de magazines à choper qui améliorent votre capacité à faire des choses. Vous avez des niveaux aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais vous avez des niveaux, moi je suis niveau 17 par exemple en haut à gauche, au-dessus de la vie. Hop. Ah, ça parle des deux, disons-moi que ça Katie. How's Katie doing? Ouais bah je ferai ça. Dans la partie que j'ai sauvée. Ouais, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, mes amis, sur ce, passez une bonne soirée, bonne nuit, reprenez bien les cours demain. Allez, moi je vous dis hasta la vista, baby. Oh, d'ailleurs, je me fais bouffer. Allez, ciao!